monsieur le professeur. Nous voulons parler avec vous sur la liberté. Monsieur le professeur, qu'entendez-vous par la liberté? C'est une grande question. La liberté dont je peux vous donner les quelques explications lapidaires, c'est ce que j'ai appris, comme on dit ici, à l'école des Blancs, c'est-à-dire mes études universitaires, montent vers un peu ce qu'on appelle la liberté. La liberté, c'est le fait de se sentir libre, ne pas être contraint par quoi que ce soit. Ça, c'est, il ne faut pas que vous soyez contraint de faire quelque chose alors que votre cœur ne veut pas. Donc, le fait de faire quelque chose soi-même, comme on le veut et comme il faut, c'est ça qu'on appelle la liberté. Le fait d'aller où l'on veut, quand l'on veut, comme on veut. Bonjour professeur, quels sont les éléments qui constituent la liberté? Il y a déjà le fait que je suis là, je suis dans mon corps. Oui. Et le corps, je ne peux pas le diriger comme je veux. Mais c'est l'intérieur du corps, notamment ce qu'on appelle la conscience, qui me dit de faire quelque chose. Si le corps s'y oppose, à ce moment-là, je ne suis pas libre. Donc je ne peux pas aller où je peux. Si la conscience, si je ne prête pas oreille à ma conscience qui me dit, voilà, il faut aller, je peux le faire, je peux l'entendre. Mais je n'irai pas parce que le corps, s'il est malade, je ne peux pas y aller. Donc... Bonjour monsieur le professeur. J'aimerais savoir si la liberté est-elle universelle ou particulière. La liberté, on l'a voulu universelle. On l'a voulu universelle, c'est-à-dire le mot liberté. C'est-à-dire, je suis un peu gêné parce que j'utilise le mot liberté, mais si je pouvais parler de la liberté par rapport à ma langue, par exemple, par rapport aux langues du Congo. Moi, je ne vois nulle part la liberté dans la langue du Congo. Ce qu'on appelle liberté dans la langue du Congo, en Chiluba, en Swahili, en Lingala ou en Kikongo, c'est la traduction de ce que nous entendons par ailleurs appeler liberté. Donc la liberté dont nous pouvons parler au niveau, en tant que Congolais par exemple, cette liberté, ce n'est pas... Elle n'est pas aussi congolaise que ça. C'est une traduction de la liberté qui vient d'ailleurs, du mot liberté qui vient d'ailleurs. Donc les questions que vous me posez par rapport à la langue que j'ai apprise, que j'ai maîtrisée, aux études que j'ai faites, notamment les études de philosophie. Et la philosophie, c'est le sens fondamental de ce qu'on appelle la liberté. C'est vraiment en philosophie qu'on découvre ça. Si. À travers la philosophie, j'ai constaté que la liberté est universelle. Okay. Mais... à partir de nos sociétés ici, je ne crois pas que nous ayons découvert, ça va frapper un peu les oreilles de quelques-uns, mais je ne crois pas que nous soyons fondamentalement libres. Je vous donne l'exemple. Lorsqu'on est, hein, lorsqu'on vit au monde, par nos parents, de toute façon que ce soit en Europe ou en Afrique ou ailleurs, on n'est pas libre. Parce qu'il y a les parents qui vont vous dire ce qu'il faut, à un moment donné pour entrer dans la société. Donc il faut bien qu'il vous prépare pour entrer dans la société. Et quand vous entrez dans la société, vous vous sentirez, ils ont étudié pour que l'enfant entre dans la société à partir de sa majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Il entre dans la société, il est censé être libre. Bonjour monsieur le professeur. J'aimerais savoir quelle nuance faites-vous entre la liberté et les droits? La liberté fait partie du droit, c'est-à-dire de termes qui sont censés être construits pour diriger un groupe. Donc le droit, c'est par rapport au groupe. La question que vous posez, c'est de savoir, est-ce qu'on est libre lorsque, alors qu'on est dirigé par les lois, par des principes qu'on a adoptés? Encore une fois, on tombe dans... ce que je disais tout à l'heure, vous avez les gens qui ont souffert pour conquérir ce qu'on appelle leur liberté et qui ont créé ce qu'on appelle les lois, qui ont créé
ce qu'on appelle la constitution, et c'est par rapport à la constitution et aux lois de la constitution que on peut concevoir la liberté. Donc, pour répondre à la question, la liberté fait partie des droits. Je ne dis pas du droit, mais par rapport à ce qui concerne les droits. Donc, parmi les droits, les articles de droit, la liberté est la chose la plus importante. On utilise ça, l'homme n'est libre, ainsi de suite. Mais je ne sais pas si l'homme n'est libre, on constate que l'homme n'est pas libre, il naît. Dépendant de son milieu, petit à petit, il va essayer de se libérer. Donc, il y a la liberté qui est censée être fondamentale, mais qui doit être conquise par un processus de libération. Donc, la liberté, c'est le résultat du processus de la libération vis-à-vis des contraintes extérieures. Monsieur le professeur, souvent dans votre conférence, vous parlez des 5 étapes de la liberté selon Nelson Mandela. Mais quel est votre propre concept par rapport à cela? Conception, c'est la remise en question de ce que j'ai appris là jusque liberté. Oui, mais non, on veut vraiment connaître la liberté selon monsieur le professeur Albert Chilongwa Mulumba. Selon vous? Donc, je pars d'abord de ce que j'ai constaté. Oui. Dans mes études, j'ai constaté qu'il y a les philosophes, différents philosophes, qui disent ceci à propos de la liberté. La première idée que j'ai retenue à propos de la liberté, c'est la liberté fait peur. Déjà, la liberté fait peur. Oui. Je crois que c'est Kant qui dit ça. Et bien avant Kant, il y a quelqu'un d'autre qui dit que pas de liberté, ou plutôt la liberté, c'est la conformité à la nécessité. La liberté, c'est la conformité à la nécessité. Une autre citation, c'est de... Au 19e siècle, au 18e siècle, c'est de Jean-Jacques Rousseau qui dit qu'il n'y a pas de liberté sans loi. Donc ce sont des gens qui ont réfléchi sur le thème à propos duquel vous êtes en train de vous poser la question. Vous pouviez demander par exemple un techno des années, je ne sais pas combien, pour leur demander s'il y a une liberté. Ils refusent, ils ne savent pas. Donc il fallait des gens qui repensent leur état dans la société dans laquelle ils vivent pour dire d'un côté elle fait peur, la liberté fait peur, donc la liberté c'est ce qui fait peur fondamentalement. L'autre qui dit c'est la liberté, c'est, puisque là on constate les difficultés, c'est la conformité à la nécessité, c'est-à-dire vous voulez faire quelque chose, il y a quelque chose, donc, et bien, ce monsieur qui dit c'est la conformité à la nécessité dit ceci: il y a des choses qui dépendent de moi et d'autres qui ne dépendent pas de moi. Je suis libre dans la mesure où je fais ce qui dépend de moi. Et je ne suis pas libre quand je fais des choses qui ne dépendent pas de moi. Et dans ce cas, quand je fais des choses qui ne dépendent pas de moi, j'obéis à la nécessité. Cette nécessité, ça peut être une nécessité légale. C'est-à-dire, il y a des lois qui me poussent à faire ce que je fais. Donc, il faut que j'y obéisse. Et il y a cette nécessité qui peut être une nécessité personnelle, c'est-à-dire de la maladie, comme je disais tout à l'heure. Si... vous êtes malade, ben, dit ce ferien, mais j'accepte quand même parce que ça ne dépend pas de moi le fait d'être malade, ainsi de suite. Donc la liberté selon les stoïciens, c'est la conformité à la nécessité. Donc, le professeur Albert Chibangu, la liberté en Afrique, particulièrement en RDC, mythe ou réalité? Dans son autobiographie, Mandela s'est posé lui-même la question. C'était un mythe ou une réalité? Oui. Je lui ai posé même la question, il dit, mais c'est un fantôme ou est-ce une réalité? D'une façon globale, j'ai dit qu'en Afrique, en Afrique noire en particulier, comme ailleurs d'ailleurs, mais ailleurs, ils essaient d'avoir les libertés dans le concret. Par exemple, vous voyez sur le fronton, sur les bâtiments publics officiels à Paris, là, donc en France, c'est écrit, leur devise, c'est liberté.
fraternité, liberté, humanité, fraternité. Mmh. Voilà. Donc vous avez liberté. J'ai l'impression que liberté, si je me reconnais libre, je sais que l'autre aussi se reconnaît libre. Donc entre nous, il y a une certaine fraternité de fait. Donc la liberté, c'est avant tout, fondamentalement, parce que je suis né à une période donnée, on n'est pas né en même temps, à une certaine période, l'autre peut réclamer aussi sa liberté. Donc on est né libre. Mais lorsqu'on constate que tel aussi peut revendiquer sa liberté, il peut se créer entre nous ce qu'on appelle égalité. Parce que chacun est libre, donc notre liberté, ma liberté me rend égal à l'autre liberté. Je vais répondre à la question tout à l'heure par rapport au Congo. La liberté, me too, oui. Oui. Donc c'est ma liberté, votre liberté, la liberté de tel, mis ensemble, ça fait égalité. Et cette égalité, puisque nous sommes égaux, ça constitue fraternité. Donc, liberté, égalité, fraternité. Si nous sommes égaux, nous sommes frères. Mais maintenant, vous me posez la question de savoir si le même mot, on peut, ou les mêmes concepts, plus exactement, on peut les utiliser ici. Je ne vois pas, je vous l'ai dit, dans le contexte qu'on pourrait dire africain, je n'aime pas le mot, mais dans le contexte congolais, normalement, on devait avoir ça. Peut-être qu'on l'a d'une façon infuse sans le savoir. On se sent d'emblée qu'on est frère. Mais on n'est pas vraiment égaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est frère? Normalement, ça devait être la reconnaissance de la liberté dans celui qui est en face de moi ou dans celle qui est en face de moi. Donc c'est pour cela que c'est génial que les penseurs français du 18e siècle aient pu mettre ensemble des concepts après lesquels tous, même eux, ils courent aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis libre, l'autre est libre, donc entre nous, a priori, il y a égalité. Et c'est cette égalité que nous allons continuer à construire pour devenir fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Maintenant ici, puisque nous avons été civilisés, j'utilise le mot civilisé à dessein, on l'appelle colonisé. Nous avons été colonisés par cette ascendance des concepts venus d'ailleurs. Normalement, on doit faire cette démarche-là pour se reconnaître explicitement libre, fraternel, donc libre, égaux et fraternel. Donc ça doit être une sorte de devise pour l'humanité tout entière en fait. Alors, est-ce qu'il y a liberté ici? Non, je ne crois pas. Parce que même à mon âge, je dépends encore de mes parents. Il faut que j'écoute mon aîné pour qu'il me dise ce qu'il faut faire. Lorsque j'ai un accroc quelque part, il faut que j'aille voir mon grand frère comme celui-là, là, que j'aille le voir, pour lui dire, mais là je suis dans des difficultés, qu'est-ce que tu peux... Il peut me balancer, il dit, toi tu es en Europe, mais tais-toi. Fais ce que tu veux. Voilà, moi je veux que tu te maries à tel et tel, tel. Toi tu as décidé comme tu veux, mais tu vas aller. Il peut me répondre comme ça. Donc il n'y a pas de liberté ici. Oui, il n'y a pas de liberté ici. Il y aura liberté lorsque nous allons marcher du même pas que ceux qui nous ont colonisés, ou plutôt qui nous ont civilisés, je veux dire. Ok. Bonjour, monsieur le professeur. RDC célèbre ce jour du 17 mai, la journée de la libération. Quel est votre point de vue ou commentaire par rapport à cela? Processus. C'est un processus de libération vers la liberté. C'est ce que nous allons célébrer là. C'est ce que nous avons fait le 30 juin 1960. On nous a donné les clés. C'est les Belges, c'est-à-dire la civilisation occidentale. Ils ont préparé les terrains, on a discuté. Ils ont venu nous donner les clés pour notre libération effective. Mais cette libération effective, il y a eu des hauts et des bas,
Et ce qu'on a fêté, ce qu'on fête le 17 mai, là, c'est une autre étape, toujours vers la liberté. C'est une libération, mais il faut que ce soit les libertés d'abord individuelles. Et que cette libération individuelle atteigne le sens de cette liberté pour que je reconnaisse en vous, dans mon frère, dans ma sœur, la même liberté. À ce moment-là, nous allons nous sentir, mais alors, tant que nous continuons à vivre, yo zamutiawapi, hein, au lieu de voir en face de moi une personne que j'aime, je vais lui dire, ou que je suis appelé à aimer, je vais dire, mais tu es d'où? Mais comment? La même question là montre que celui ou celle qui est en face de moi n'est pas comme moi. Donc je lui refuse sa liberté. Donc le processus qui a été engagé depuis 60, qui a eu, c'est où on a eu des va-et-vient, plutôt des hauts et des bas, c'est un processus de libération. Donc ce qui s'est passé le 17 mai, c'est un de ces processus de libération jusqu'à ce qu'un Congolais se reconnaisse avec un autre Congolais, quelle que soit sa tribu, comme on dit, et devienne son frère. Donc, égalité, et puis fraternité, chemin faisant. Voilà ce qu'on devrait fêter demain, et qu'on fête demain. Ou demain ou aujourd'hui, je ne sais plus, c'était quelle date? Le 17. Le 17, voilà. C'est un processus de libération, mais ce n'est pas la liberté. Ça vous amène... Alors, on vous posait la question, non, mais vous avez oublié, est-ce que c'est un mythe? Ou réalité. Là, ou réalité. La sixième question. Oui, oui. Mais c'est un mythe. Mais nous courons toujours après des mythes. C'est un rêve, en fait. Oui. Ce n'est ni un fantôme seulement, ni un mythe. Mais c'est un rêve. Et c'est par rapport à ce rêve que la libération va constituer de fait la liberté. Et ça revient... Moi, je trouve celui qui a vraiment... définit la liberté comme j'aurais voulu l'entendre, encore c'est aussi une traduction du contexte extérieur, c'est Mandela. Il a dit ceci: non, je ne suis pas libre. Au tout début, bien sûr, je ne suis pas esclave, ainsi de suite. Et puis c'est à cinquième étape, il dit: je ne suis pas libre tant que mes frères ici, blancs comme noirs, sont pleins de préjugés. Mais il s'agit maintenant de produire ce que la question que vous m'avez posée, une sorte de libération des mentalités, de sorte que, après une colline, je poursuive encore une autre colline, mais cette marche est vraiment longue. Jusqu'à la libération. Moi, je me suis posé la question de savoir si cette liberté que poursuivait Nelson Mandela, s'il ne l'a pas acquis au moment où on l'a mis en tombeau. Parce qu'il ne l'a jamais vécu. Donc, c'est un mythe. Tout ce que nous poursuivons ici, on peut dire je suis libre. En fait, c'est un mythe. La liberté, au sens propre, vraiment, c'est un mythe. Tant que nous avons un corps, ben, on ne peut pas dire que c'est une liberté. Mais, maintenant, si vous me posez des questions par rapport aux lois, alors là, on n'a qu'à s'entendre avec Rousseau, avec Jean-Jacques Rousseau. On se met ensemble, on produit une sorte de constitution ou de contrat social. Et après ce contrat social, on va donc tous obéir comme si nous obéissions à nous-mêmes. Voilà comment le processus que les autres ont produit bien avant nous. Je ne sais pas où on était à cette période-là. On était dans des grottes ou quelque part comme ça, je ne sais pas. Oui, merci. Messieurs les professeurs, pouvez-vous définir les abus ou mauvaise conduite par rapport à la liberté? Mauvaise conduite, les abus, je l'ai déjà, moi, par rapport à vous qui me posez la question. Oui. Lorsque je vois, par exemple, il y a quelque chose auquel j'ai droit, et que je refuse d'avoir droit à ces quelque chose-là, mais ça ne va pas. Donc, il faut que je me comporte pour que c'est qui constitue ma libération, pour revenir au mot, vous aide à poursuivre aussi votre libération dans un terrain où tous nous entendons bien, frères, égaux et fraternels. Non, non, donc ce qui est mauvais,
c'est de pouvoir faire taire celui qui est en face de moi par tous les moyens. Et le pire de ces moyens, c'est parvenir à l'empêcher pour qu'il puisse se développer normalement. C'est ça qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'il y a des lois. Et les lois doivent être les moyens d'assurer à chacun et à l'ensemble la progression, la libération progressive et des individus et des mentalités du groupe et de notre société tout entière. Et ça, c'est un long chemin. C'est un long chemin vers la liberté. On poursuit ce long chemin-là. Même ceux qui nous ont appris à faire ce que je dis là, à parler dans les langues là, ben, ils poursuivent toujours ce long chemin. Mais ils ont la possibilité de pouvoir débattre à cœur ouvert entre eux-mêmes pour que cela se passe. Je désire vivement que ce soit la même chose ici. Monsieur le professeur, pouvez-vous établir les liens qui existent entre la liberté et la démocratie? La liberté, c'est le fondement de la démocratie. Mais c'est un peu ça. Si je reconnais à l'autre le droit d'aller, de venir, de faire ce qu'il a envie de faire à partir de la loi, donc il y a un timing qui est donné chaque année pour que, ou un laps de temps pour que la réalisation de ce que nous faisons. Vous m'appelez professeur, mais ça veut dire que j'ai des choses à faire en tant que professeur. J'ai l'organisation de mes cours dans un contexte universitaire qui m'est donné. Donc il faut que je fasse bien ce que je fais en tant que professeur. Et ce que je fais là, un autre professeur à côté de moi le fait, c'est un collègue. Donc je n'ai pas à haïr qui que ce soit dans ce processus. J'ai à faire bien ce que je fais. Un peu ce que le vieux régime disait, Motonamoto Abongisa. Bien sûr, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Mais moi, je garde cela comme s'appropriant à moi. Il faut que là où je suis, ce que je fais, je le fasse bien. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez nos gens ici qui vendent leur pain. Oui. Et ceux qui fabriquent ce pain, est-ce qu'ils le fabriquent pour eux-mêmes? Non, pour les autres personnes. On peut dire, pour être clair, aussi bien pour eux et que pour les autres. Donc ces gens qui fabriquent du pain là sont les gens qui font du bien pour eux et pour tout le monde. Mais si je ne fais que pour moi-même, si j'ai dit à l'autre, aux gens vont dire, ouais, puis ça c'est un petit exemple pour vous montrer un peu que ce que je fais dans ce que je fais bien là, dans mon métier de professeur, je le fais non pas pour moi, mais pour mes étudiants. Quitte à eux d'accepter ou ne pas accepter, parce qu'ils sont libres. Voilà le mot libre. Le mot liberté n'existe que en tant qu'épithète, en tant qu'adjectif. Je suis libre. Mais montrez-moi comment vous êtes libre, on ne voit pas. Bon, voilà. Donc je crois que ce que Dieu doit éviter, c'est le mal, et ça vous l'avez dans la conscience. Ce que vous avez à faire, c'est le bien, mais c'est la conscience que vous dit, ça c'est bien, ce que vous faites là c'est bien. Continuez. Alors si il me dit, ça c'est bien, et je fais le contraire, c'est moi-même qui suis responsable du mal et du mal de moi-même et du mal de ceux qui sont autour de moi. Exactement. Bonjour professeur, est-ce qu'est-il possible de définir les limites de la liberté individuelle? On a galvaudé ça en disant la liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc on peut constater que la liberté, les limites de la liberté individuelle, c'est la liberté de l'autre qui est la limite. Mais il faudrait que la liberté de l'autre, comme là on dit ici, constitue notre égalité. Et en poursuivant, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas vraiment de limite. Parce que la limite, la liberté, ma liberté se liant à votre liberté, à telle autre liberté, ça demande l'éclairage de tout un ensemble de la société, de notre société, pour que ça devienne la liberté du cœur. Et cette liberté du cœur, c'est quoi? C'est l'écoute de la voix du bien en nous. Et il n'y a pas de limite si j'écoute cette liberté de la voix haute en moi, qui est la voix de Dieu.
La vraie liberté, c'est d'être comme Dieu, puisque nous a créé créateur. Tout le reste, c'est des banalités. Tout le reste, c'est de l'orgueil. Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas, il disait, je sais pas, la sagesse, ou je sais pas quoi, Salomon, et que Bossuet a repris dans ses discours devant les grands de ce monde, vanité de vanité, tout est vanité, mon Seigneur. Ok, merci, messieurs les professeurs. On ne sait pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cet entretien. Je crois que ce que je viens de faire là, c'est une chute magnifique sur l'ouverture, la liberté. Normalement, ça devait ouvrir. Ouais, mon Dieu, on utilise tellement le mot Dieu. Ça devait ouvrir sur celui qui nous a créés sans avoir demandé notre autorisation. Moi, je m'aperçois que je suis né quelque part, mais je n'ai pas demandé à naître quelque part. C'est de la bêtise que de pouvoir dire à l'autre, moi je suis tel, donc je vaux mieux que vous, donc je dois vous effacer, vous tuer, vous faire quelque chose comme ça, non? Celui qui m'a créé, il m'a créé pour la vie, pour que je lui ressemble, que je sois aussi créateur de la vie. Donc ce qui est très important dans ces mots que nous avons, tous ces concepts dont je viens de parler, ce sont des mots qui doivent me parler à moi-même. L'autre jour, je disais pour quelqu'un qui me demandait, mais yoza à l'église ni. Moi, j'ai dit, moi, j'ai toutes les églises parce que je m'approprie ce qui est le bien dans toutes les églises. Je me l'approprie. Je dis bien, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne quoi que ce soit. Je sais lire, je sais écrire. Donc, je sais entendre à la fois la voix qui est en moi. Si la voix me dit, ça, c'est bien, prier, c'est bien. Donc, l'élan du cœur, là, c'est la vraie liberté pour moi. Voilà. Moi, je m'ouvre sur toi, mon Dieu. Voilà. Si tu es quelqu'un, et je sais que tu es quelqu'un en moi, donc c'est ça, ma liberté, c'est toi. T'épouser, t'aimer, par-dessus tout. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vois la prochaine. Merci de m'avoir posé ces questions qui me remettent à moi-même. Je vous verrez vous-même.